Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'épisode 11. Je suis avec Maxime, un athlète que vous connaissez forcément. On avait fait l'épisode 5 ensemble, un entraînement sur le dos. On a eu énormément de bons retours, de messages de soutien de votre part juste après cet épisode. Et on vous remercie énormément pour ça. Max, comment tu vas? Ça va très bien. Habillé en kaki? Ouais. Sans concertation? Sans concertation. Feelings? Exact. Comment tu vas? Non, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis en forme et ça va, j'ai la pêche. T'as la pêche? Ça va. Pour le moment. Pour le moment. Bah, tu vas continuer à l'avoir comme toujours. Alors, depuis la dernière fois, raconte-nous un peu. Bah, entraînement, diète. Les entraînements, bah, ils sont toujours aussi intensifs. Franchement, j'avais une certaine rigueur dans mes entraînements, mais là, j'ai l'impression que tous les entraînements, je suis en dehors de ma zone de confort et c'est que bénéfique. Franchement, voilà, j'ai que des bons résultats. Et au niveau de la diète, bah, au niveau de la diète, ça va. Par moments, c'est assez dur parce qu'il y a des tentations, la famille elle mange des choses que tu ne peux pas manger. Depuis lundi 7 août, ils ont commencé vraiment leur diète stricte, on va dire. Voilà. Phase 1. Phase 1 ou phase 1? Phase 1. Pardon, Luc Besson? Une. Une, pour une fois qu'il corrige. Dieu merci. Ça va, t'es avec nous. Donc, phase 1. Ouais. Depuis lundi, pardon, 7 août. Et pour l'instant, c'est, ça va, mais par moment dans la journée, le ventre il crie un peu famine. Mais bon, on s'accroche parce que certains objectifs à atteindre. Je souhaiterais rajouter aussi et dire merci à toutes les personnes qui nous envoient, à moi et à tous les autres athlètes de la team NFC, les messages de soutien et de force parce que franchement, c'est des messages qu'on ne reconnaît pas, mais ça nous donne énormément de force et ça nous motive, mais vraiment beaucoup. Donc pour cela, je tenais à vous remercier. Et à remercier une fois de plus le frère Coach Hessen pour tout ce qu'il fait pour nous, pour cette motivation qu'il nous partage, pour sa philosophie et son vécu qu'il nous inculque par ses entraînements, par les diètes qu'il nous fait, par les discours qu'il nous dit. Et franchement, je tenais à le remercier. Et un grand merci à toi aussi, Luc Besson, pour ces superbes vidéos que tu fais de nous. Parce que franchement, tu fais ressortir un côté de nous qui est vraiment, qui pas un côté caché, mais un côté vraiment où on ressent notre motivation. Je ne sais pas si c'est ta caméra ou franchement, je ne sais pas, mais juste merci, les vidéos, elles sont top. Et ouais, tu nous quittes pour aller chez Marc Duracell, espèce de pervers. Tu restes avec nous. Merci à toi, Maxime, pour ta confiance de toujours. Sache que les progrès que tu as, les résultats que tu as, tout d'abord, c'est grâce à toi, à ton sérieux, à ta détermination. Et je suis très honoré, je suis très content de faire cette aventure avec toi. Merci beaucoup, Max. Merci vraiment pour votre partage. Aujourd'hui, on va faire les pecs. On va dire le haut des pecs. Le petit point faible de Maxime. Enfin, le petit point faible d'avant. Ça ne fait plus partie de l'actualité aujourd'hui. L'entraînement d'aujourd'hui, ça va être vraiment basé et concentré sur les hauts des pecs. On aura un seul exercice développé couché pour ces pecs, mais le reste, ça va être vraiment sur le haut des pecs, comme je vous l'ai dit, dans son programme de Maxime. Il avait exactement le même souci que Nicolas. Je vous invite à regarder l'épisode 6. Nicolas, ses épaules, j'ai essayé plusieurs méthodes. J'arrivais pas à faire bouger ses épaules. Et je me suis rendu compte que ses épaules bougeaient quand on faisait des séries longues, mais toujours avec des charges lourdes, d'accord? C'est pourquoi j'ai utilisé cette fameuse énergie phosphate et je l'ai mélangée avec une méthode d'entraînement et ses épaules, ils ont commencé à se métamorphoser. C'est exactement ce que j'ai fait avec Maxime. On a vu vraiment les résultats à partir de là. Donc, Max, je t'invite à aller t'échauffer. Je ne vais pas vous redonner les explications sur cette fameuse énergie phosphate, créatine phosphate. Je vous invite à regarder l'épisode 6. Encore une fois, tout ça, c'est de la théorie. Je vais vous montrer tout ça en pratique. Donc, on va définir la charge maximale au développé couché.
Sachant que Maxime, il est en diète, donc on est à 70% de sa force pour éviter les blessures à 9 semaines de la compétition. Donc on va faire, on va mettre 90 kilos. Le but, c'est de garder la charge lourde et faire des longues reps. C'est pour ça que je vous ai invité à regarder l'épisode 6 pour mieux comprendre la séance d'aujourd'hui. Max, t'es prêt? Ouais. Allez, concentration. Tu m'en fais 4, on y va. 1, 2, 3, 4, pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 3. Let's go. 1, 2, 3, pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux derniers. Allez. Allez, collant. C'est bon. Pose des pieds. C'est bien. Toujours. Cuisse. Voilà. Serre-toi, garçon. C'est bien. Serre-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, Max. On y va. 4. 1, 2, 3, 4, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. Let's go. Allez. 1, c'est bien. 2, 3, 4, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. Et allez. C'est bien, Max. 1, allez, garçon. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 2. 1, 2, et 3, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. Comment, 8, 9, 10, allez, les deux derniers. Hey. Oh. Hey. Une, hey. restons. Maintenant. Hey. C'est bon. Hey. Allez, pose. Une, serre-toi. Hey. Voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et c'est bon. Parfait. Donc, comme je vous ai expliqué, on va faire lourd et des longs reps. On en fait, on définit d'abord la charge, mais là on est à 70% de la force, comme il est en diète pour éviter les blessures. On en fait 4, on pose 10 secondes de repos, c'est exactement le temps qu'il faut pour que la créatine phosphate, la molécule d'énergie fasse la recharge. On en fait 4, 3, 3, 2, 2. Donc on reste sur une charge lourde et des longs reps. Allez, Max, on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. On y va. 4 encore.
1, 2, 3, 4, relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 3 garçons, allez, on y va. 1, 2, 3, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, garçons, 1, très bien. 2, allez, 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 allez. Et 3, c'est bien. Tous, tout seul. C'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, je suis avec toi. Tu restes en bas, c'est bien. Reste, donc, on va encore faire un, donc c'est 4 séries. Temps de repos, les vrais garçons ne connaissent pas ce concept. Donc, on laisse ça aux autres. Max, t'es prêt? Donc, deuxième exercice, développé incliné. Et là, vraiment, on va partir sur son haut des pecs qui était son point faible pour continuer à progresser. On va en faire 7, on garde 7 secondes en contraction en haut, on refait 7, 7 secondes, 7, 7 secondes, on dépose la barre. Okay. Max, t'es prêt? Ouais. Comment? Allez, guillotine. Ça vient de là, ça vient de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti. 1, énergie, énergie. Allez, 2, voilà. 3, 4, 5, 6, 7. On compte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va? Ça va. J'étais à combien? 5. 5, 6 et 7. Toujours concentré. Allez, pause. Allez, on y va. C'est bien. Serre les cuisses, serre les cuisses, serre les cuisses. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le, voilà, voilà, c'est bien. 8, 9 et 10. C'est très bien. Allez, Max, c'est bien. Toujours être concentré. C'est pour ça que je te demande on est à combien. L'important, c'est vraiment rester concentré. Quoi qu'il arrive, ok? C'est parti, Max. Yeah, baby. Allez, reste concentré. On y va. Vraiment, ramène-le là. Voilà. 2, c'est bien. 3, 4, 5, 6, 1. Ah putain, faux. Voilà. Stay focused, guys, come on. Reste concentré. 3, 4, 5, 6, 7. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une. Et 7. 2, 3, 4, 5. T'es concentré ou pas? Oui. 6 et 7. On y va. 7 dernières. 1, 2, je suis là. 3, 4. Tu vois comment ça se passe quand t'es pas concentré?
Ah. Oui. Reste en haut. Ah. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Tu comptes jusqu'à sept. Un, ça t'apprend à être deux, concentré. Voilà. Trois, quatre, ça, et cinq. Ça tremble là. Six. Je lâche. Sept. Ah. Reste concentré, Max. Quand tu perds la concentration, tu perds la force. D'accord? Force, concentration. On te le dira toujours. Et tu vois comment ça se passe? Tu te déconcentres et tu payes le prix. Allez. Max. Un, deux. On dirait je souffre. On dirait on m'a obligé à faire ça. Personne t'a obligé. Attention. C'est ton choix. Et tu prends du plaisir à le faire. On dirait que tu es là devant les juges à montrer ta souffrance. C'est facile et tu prends du plaisir à montrer le travail. D'accord? Ok, donc reste concentré et prends du plaisir à ce que tu fais, comme d'habitude. Allez, on part sur le troisième. Max, l'avant-dernier, reste concentré. Fais-moi du propre. Garde la concentration. Et tu vas voir la différence. Allez, allez. Tu m'en fais 7 avec la rage. Regarde-moi, je suis même pas derrière toi. Montre-moi que tu es capable. Allez, on y va. Donne du rythme. Plus vite, plus vite. 2, voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Voilà. La rage dans tes yeux. Voilà. Regarde là-bas. C'est bien. C'est parti. 7, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On y va. Allez, garçon. 1, c'est bien. 2, 3, 4, la rage. 5, encore 2, 6, dernière. Allez, compte, compte. Allez, jusqu'à 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, pause. Et voilà la différence. Troisième exercice, t'es censé être plus fatigué. Concentration, et t'étais capable de repartir sur 21 reps. C'est là, même en diète, quand tu arrives à faire la connexion entre ton mental, d'accord, tout est réglé. Tout est réglé. Et c'est ça qui fait que le jour J, après des mois de diète, 3 jours sans boire de l'eau, tu n'as aucune force. Mais que tu continues à donner, à montrer le travail. C'est ça que j'essaye de te dire. Allez, on en fait encore un. Et ensuite, on repart sur développer incliné haltère. Mais c'est pas n'importe quel développé incliné haltère. Max, c'est parti. Allez, moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Complètement en haut. Moitié, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Complet, allez. 1, c'est bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Négatif avec moi. Négatif. Maintenant. Maintenant. C'est bien. 3. Encore, 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 encore. 4. Maintenant. 5. Pause. Serre tout, voilà. C'est bien, les épaules en arrière. C'est bien, voilà, garde le sourire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien. Troisième exercice, développé, incliné, haltère. On fait 10 reps, moitié d'en bas. 10 reps, moitié de haut et 10 complets. On part sur l'échec en négatif. On en fait 3 séries. C'est parti. Let's go, guys. Allez.
Allez, let's go baby. Là. 1, 2, 3, c'est bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, un peu moins. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même pas mal. 8, 9, 10 en négatif. Allez, comme un vrai garçon. 1, voilà. 2, encore. 3, encore. 4, encore. 5, je suis là, avec moi. C'est bien. 6, encore. Ça va jusqu'à 10, allez, encore. C'est bien, 7. Encore. C'est bien. Encore. Reste en haut avec moi. Max, on y va jusqu'à 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, garçon. C'est bien, Max. Allez, compte jusqu'à 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Magnifique. Donc là, comme je vous ai dit, il avait un léger retard sur les ODP, notamment quand il se mettait de profil, on voyait que ses épaules dépassaient un petit peu le ODP. Et là, on voit que vraiment, ça commence bon. Après, il est congestionné, bien sûr, mais le retard était vraiment attrapé. Bravo, Max. Donc, on en fait encore une série. On repart sur les écartés. À tout de suite. Ok, quatrième exercice. Écarté incliné. On va faire 10. On diminue le poids. 10. On rediminue le poids. Et 10. Quand vous faites les écartés, même si vous êtes censé être chaud, que c'est vraiment le quatrième exercice comme maintenant, essayez de faire toujours une série d'échauffement avant d'attaquer vos poids principaux. C'est très important pour les articulations. Et j'aime bien faire aussi ça quand je fais le pull-over. Toujours avant d'attaquer le pull-over, même si c'est pas, même si vous êtes censé être chaud parce que c'est quatrième ou cinquième exercice, toujours, toujours une série d'échauffement. Allez Max, on y va. C'est parti. Voilà, comme ça. Ok. Allez, on y va. Une. Pour les poids. Voilà. Deux. C'est bien. Un. Trois. Allez, ouvre la cage thoracique. Voilà. Élargis-toi. C'est bien. C'est bien. Encore. Encore. C'est bien. C'est bien. Allez, durée. Une. Et. Voilà. Et. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6, 7, 8, comment, 9, 10, 7. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, reste. Maintenant. Voilà. Encore. C'est bien. Encore. Voilà, Max. T'as un champ. Comment Encore.
Hey, come on. C'est... Come on, baby. Là. C'est... Hey. Hey. Là. C'est... Hey. Allez, viens, viens, sors tout. Sors tout, prends, tiens la respiration. Garde le sourire, garçon. Voilà, c'est bien. C'est difficile ou pas? Non. C'est ton choix ou pas? Oui. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien. Et parfait. Ok, let's go, guys. Et concentration max. L'avant-dernier. On y va. Come on. Et. Et. Une. Et. Donne du rythme. Et. Voilà. 3. 4. 5. Contraction en haut. 6. Voilà. 7. 8. 9, 10, pose doucement. Parfait. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, c'est bien. Oh, finish, guys. Là. Allez, concentration, Max. Yes, focus. C'est le plus important, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, on y va. Où est la fatigue? Allez. Non. Il n'y a pas de fatigue. 12, 13, 14, 15, c'est bien. 16, 17. 18, 19, 20, encore, 3, 4, encore, les 5 derniers, avec moi, 1, 3, 4 et 5. Allez, c'est bon. Serre tout. Retiens la respiration. Garde le sourire. C'est difficile? Non. Allez, c'est bon. 4, 5, 6. Voilà, serre. Avec toute ta force. Voilà. C'est bon, lâche. C'est bien, Max. Donc, on fait encore une série. On va finir par les écarter à la poulie basse. Je vous dis à tout de suite. B. Là. Vraiment. Vas-y, ramène. Tac. Quand tu ramènes là, ici. Et tu relâches tout doucement. Contraction en haut. Voilà, exactement. C'est bien. 4, bras tendus. C'est bien. Continue. Yes. C'est parfait. Allez, c'est bien. Encore. 9. Allez, les 5 derniers. 1, 2, relâche. 1, 2, relâche. Relâche, contracte. Yes, encore une. Lâche en négative. Voilà, c'est parfait.
Donc, alors pour terminer, on va faire 4 séries d'écarté à la poulie basse, 4 séries de 15 avec 2 secondes de contraction une fois que vous êtes en haut. C'est un de mes exercices préférés, notamment pour développer le haut des pecs. Donc là, on en a fait une série, on en fait encore 3. Et khalas. Allez, Max. Deux, c'est parfait. 3. Contracte. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 14. Et 15. 16. Alors notre séance des pecs est terminée. Max, je ne l'ai pas vraiment senti aujourd'hui. Il a fait le taf, mais il est toujours de bonne humeur, il est toujours plein d'énergie. Et j'ai senti qu'il n'était pas là aujourd'hui. Peut-être c'est la diète, peut-être il a d'autres problèmes. On va voir ça ensemble. Max, qu'est-ce qui se passe? T'étais pas dedans. Ouais, c'est des choses dans ma vie qui me tracassent un peu, franchement, qui me commencent à me peser un peu et ça me ronge de plus en plus de l'intérieur. J'essaie de surmonter ça, mais ça me ronge. En plus de ça, il y a la diète qui commence et ça me fait perdre mes repères. J'étais là, mais j'étais pas là à 100%. J'ai essayé de donner le maximum, mais une partie de mon mental n'était pas là. Max, oublions la muscu pour 2 secondes. Dans la vie, tu commences à découvrir qui tu es vraiment une fois que tu perds tes repères. D'accord? Imagine que tu vas quelque part, pas de famille, pas d'amis. Tu sais pas où sont par exemple les transports. Tu peux plus trouver tes habitudes. Tout ça, ça te fait perdre tes repères. Tu commences à voir qui tu es. Est-ce que tu es quelqu'un de courageux? Est-ce que tu es quelqu'un de peureux? Est-ce que tu es quelqu'un qui va aller, qui va chercher à voir comment ça se passe? Maintenant, on n'a pas cette situation, mais on a une situation qui est semblable à cela, la diète, qui te fait perdre tes repères. C'est là que tu commences à comprendre et à savoir et à apprendre sur toi-même. Est-ce que tu es quelqu'un que malgré les problèmes, malgré la repère que tu as perdu, qui continue à avancer? Est-ce que tu es quelqu'un que malgré la diète qui est difficile, continue à rester fort, à prendre du recul par rapport aux problèmes, à prendre sur soi, et qui va jusqu'au bout ou pas, et gagner? Et encore une fois, gagner, c'est pas ramener le trophée. J'en ai rien à foutre de ça. Gagner, c'est aller jusqu'au bout. La tête haute, sans tricher, sans avoir manqué de respect à qui que ce soit à cause de la diète, sans avoir imposé cette situation à qui que ce soit à cause de la diète. Et le chemin qui est très difficile à parcourir jusqu'au bout, c'est ton choix. Qui te l'a imposé? Personne. Tu as pris ce choix de faire ça. Et bien sûr, il y a des gens qui ne vont pas te comprendre, il y a des gens qui vont te dire pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela. Ça ne sert à rien. Mais c'est ton choix. Et si tu vas jusqu'au bout, tu vas voir dans ta vie qui ira jusqu'au bout, quelles que soient les décisions que tu prendras. Il ne faut pas voir juste le côté musculation. Il faut faire le lien entre le sport et la vie de tous les jours. Maintenant, c'est simple. On ne va pas commencer à pleurer sur son sort. Tu vois cette porte-là? Soit tu te lèves et tu t'en vas, on arrête là. Soit tu te lèves, tu me serres la main et je veux plus te voir comme ça. Alors garçon, qu'est-ce que tu choisis?
Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a toi? Mais attends, tu me suis matin, midi, soir, tu t'es pris pour un antibiotique. Je te sens un peu plus affectif envers moi depuis que ton projet avec Marc Duracell est tombé à l'eau. Yeah, c'est pas faux. C'est pas faux? Ouais. Bienvenue à la maison. Like, qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. Tu veux ça? Tu veux ça? Allez, va, je veux ça. Bah, je pense qu'il va pas nous, lâcher ça. Bon, ce matin, c'était le tournage de l'épisode 11 avec, avec Maxime. avec Maxime. Laisse-moi me concentrer. Bon, désolé pour le bruit. Donc, ce matin, c'était le tournage de l'épisode 11 avec Maxime. Donc le soir, quand je rentre à la maison, avant de me changer et me mettre bien, comme on dit, j'aime bien vérifier si j'ai des nouveaux mails. Je réponds pour y répondre, je suis assez réactif là-dessus, comme ça je suis tranquille. Et ce qui me fait rire en ce moment, c'est quand je reçois des nouveaux mails sur Macro Coaching. Les gens ils me disent je veux être un vrai garçon. Et même les filles disent ça parfois. Et je pense que vous avez tout compris, puisque être un vrai garçon ne connaît pas de sexe. Tu peux être une fille et être un vrai garçon. Et pour vous dire que certaines de mes clientes, à chaque fois je pense que je suis en train de m'améliorer, d'un coup je me rends compte que non. Ouais, oui, je suis là pour ça. T'es là pour ça, t'es là pour ça, ouais, tu me corriges une fois sur mille. Certaines de mes clientes sont plus vrais garçons que certains de mes clients. Et être un vrai garçon, bah, ça veut dire être déterminé, courageux, aller jusqu'au bout, ne jamais lâcher et surtout ne pas imposer ses choix aux autres. Et ça, on va revenir là-dessus. Donc, tu peux être une fille et être un vrai garçon. Je veux revenir rapidement sur ce qui s'est passé avec Maxime. À la fin, il m'a dit qu'il a des petits soucis, mais je pense que c'est la diète qui l'énerve un petit peu. C'est sa première compétition, c'est normal. Je suis aussi là pour lui expliquer et pour lui rappeler que c'est un choix qu'il a fait. En aucun cas, il a le droit de s'énerver sur son entourage et imposer son choix aux autres. Ce sport de musculation, il est extraordinaire. Mais il y a deux directions. C'est-à-dire tu vas prendre deux directions, soit une, soit l'autre. Il n'y en a pas trois. Une direction qui est très destructive et une autre qui est très constructive. Parlons d'abord de la direction destructive. Si tu prends ce sport par la mauvaise direction et qu'elle te dépasse, tu peux très rapidement devenir quelqu'un de très ennuyant, d'inintéressant et te retrouver seul. Vous connaissez forcément des gens qui parlent que de la musculation, aucun autre sujet de conversation à part ça, qui imposent leur passion ou bien leur métier à tout le monde. Et bien, ces gens-là, ils vont se retrouver seuls très très rapidement. Ils ne participent pas à rien, ils sont jamais avec leur ami puisqu'ils ne mangent pas la même chose, ils ne parlent pas de la même chose. Pour eux, personne ne comprend rien à part eux parce que personne ne comprend la musculation. Et pour moi, ça c'est la mauvaise direction. Et la bonne direction qui est très constructive, c'est faire le lien de ce sport avec la vie de tous les jours. Ce sport qui est un sport de discipline et de courage et la détermination. Et si tu arrives à faire le lien, est-ce que tu apprends à travers ce sport dans ta vie de tous les jours, tu as tout gagné. Si tu es quelqu'un de déterminé, sincère, courageux dans ce sport,
bah, tu peux l'être aussi dans la vie de tous les jours, dans tes projets, dans ton travail et aussi dans tes rapports avec ton entourage. Donc, c'est très important de ne pas tomber sur la mauvaise direction en ce qui concerne ce sport. Et vous savez très bien, mieux que moi, que dans cette société, on n'a pas forcément une très bonne image des gens qui pratiquent la musculation et le bodybuilding. Et parfois, je me dis, certaines personnes ne rendent pas justement service et n'arrangent pas les choses et qui y sont pour quelque chose, pour cette mauvaise pensée que certains ont par rapport à ce sport. Quand vous avez un projet de changement de corps, que ce soit pour une compétition aux autres, sachez que vous allez vous retrouver dans des situations difficiles dont vous perdez repère. N'imposez pas cet énervement, ce choix à votre entourage. C'est un choix personnel que vous avez fait. Allez jusqu'au bout, assumez les conséquences, prenez du recul par rapport à tout ça. Et c'est là que vous montrez si vous êtes un vrai garçon ou pas.